créé depuis 2013 et engagé pour l'appui à l'action humanitaire et l'aide au développement par l'expansion du projet de cartographie libre, l'association OpenStreetMap Togo a présenté le 3 août 2023 à Lomé son projet Ville durable Miatou Togo. En formant les équipes des municipalités à utiliser les SIG dans leur planification, c'est du temps qu'ils gagnent. C'est plus de vues d'ensemble qu'ils ont sur le territoire et ça permet de pouvoir savoir où sont les lacunes, où sont les problèmes de façon géographique. Le projet vient aider les municipalités dans leurs difficultés de collecte de données géographiques et l'utilisation des systèmes d'information géographique. Nous avons eu à cartographier tout ce qui était lieu de culte, tout ce qui était centre de santé et tout ça, toutes ces données qui ont été collectées nous permettent à présent de prendre des décisions justement quand il s'agit d'aménagement, par exemple dans ces différents secteurs que je viens d'énumérer. Les communes Golfe 3 et Ogou 1 sont sélectionnées pour la phase pilote de ce projet.